Salut à tous, c'est Arkenke et bienvenue dans Splatoon 2. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure. Donc, j'ai fini la première zone parfaitement, je pense. Hein. J'ai tout pris, voilà, exploit. Voilà, on voit que j'ai tout pris ce qu'il fallait. Bon, après, là, on me dit que je l'ai fait qu'avec cette arme-là. Je pense que je vais débloquer d'autres armes. Putain, c'est tout ça comme arme qu'on peut débloquer dans votre solo, c'est plutôt cool. Hein. Et du coup, voilà, moi, ils me disent que mon record avec cette arme. Voilà, j'ai battu mon record là, du 1 hein, parce que c'était assez simple. Mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les parchemins. Et les petits poissons là, qui me permettent aussi d'améliorer. Enfin, pour moi, le 100% il est là en fait. Après, le finir avec toutes les armes, je peux, hein, mais je peux le finir avec n'importe quelle arme. Hein. Tu me files n'importe quelle arme, moi je le finis, niveau. Et du coup, voilà. Donc, nous allons commencer ici donc le deuxième. Oula. Le deuxième point. Donc, j'espère que au montage, je ne serai pas gouré dans l'épisode précédent et que je vous aurais bien mis ça comme il faut. Parce que, ouais, du coup, bah, j'ai coupé un peu. Enfin, pu enregistrer d'un coup, mais bon, je me suis dit, je savais pas combien de temps j'allais mettre. Alors, on va se balader un peu. On va faire des passages. Là, on peut grimper. Là, on peut. Ah mince. On peut monter. Ouais. D'accord, y'a rien d'autre, c'est juste pour faire ça, quoi. Donc là j'imagine qu'il y a, alors c'est le 5, il y en avait combien avant? Ah c'est pas le 4, hein. Il me faudrait le 4, il faudrait que je fasse le 4 d'abord. J'aimerais faire le 4 d'abord. Donc là il y a le boss, on est d'accord. On va aller par là, le 4 est sûrement par là. Oula, pas rester comme ça là, sinon c'est la mort. Le 4 c'est sûrement lui, non? Voilà, on va faire dans l'ordre. Hein. Fief des tentacrash, c'est parti, roule roule, roulonium. Requête de quoi? J'ai vu, j'ai même pas lu, tiens. Ah, il va peut-être me filer une nouvelle arme. Ouais, regardez, livraison. Ah, on va pouvoir y aller au rouleau là. C'est bien parce que d'un côté ça vous montre les armes aussi. Ça présente le rouleau héroïque au sol, envoie des giclées d'encre avec de l'air. Je sais comment ça marche un rouleau. Alors, rouleau, vous pouvez faire ou comme ça, ça tire un peu plus loin devant, ou vous roulez comme ça, et regardez, elle va courir plus vite après. Voilà. Sachant que ça là, c'est nouveau, hein. Ça c'est Splatoon 2, hein. C'est pas Splatoon 1. Et c'est parti. Rouleau, c'est pratique. Ouah, c'est quoi ça? J'adore. Ah ouais, vous pouvez faire comme ça dans le mode online, c'est bien. D'accord, donc ça, ouais, c'est les. Je me rappelle, donc ça existait. J'ai plus d'encre. Bien sûr, le rouleau, eh bien, le problème, c'est l'encre. Merci d'être passé. Merde. C'est tellement génial. Moi je m'en fous. C'est... Alors le truc c'est que il faut que j'aille doucement. Je vous rappelle qu'il faut pas que j'aille trop vite parce que sinon bah ouais je suis obligé de. Moi je m'en fous de faire les coupures d'épisodes mais c'est mieux intéressant de voilà de trouver cette pièce là. Parfait. Vous voyez j'en ai déjà trouvé un des deux, c'est plutôt cool. Même si moi c'est les parchemins qui m'intéressent un peu mieux, parce que c'est une partie de l'histoire les parchemins. Ah c'est de la bouffe, dommage. Déception. Bon on voit que je connais le 1 aussi, hein, parce que... Oh putain il m'a touché. Hein. Je dois toujours avoir les bombes, hein. Ouais. L'avantage, ça, c'est que je sais que j'ai toujours ça. Mec, il a pas le temps de parler, j'ai déjà fait l'action, quoi. Là, regardez. Ah! Très pratique pour faire les hauteurs, ça, par contre, cette attaque-là. Alors... Ils m'ont vu, c'est parfait. Allez, mange!
sachant que le rouleau héroïque doit être un peu moins puissant que le rouleau standard, je pense. Quoique, peut-être pas. On regarde bien les côtés. Je les boules parce que pour l'instant, je regarde bien, mais je pense que j'ai rien oublié pour l'instant. Ah, parfait. Spawn automatique. C'est mauvais par contre, c'est dommage. Ah, je suis obligé de l'avoir. Je suis obligé de l'avoir à l'usure. Limite hein. Limite. Hein. En fait, pour savoir ce qu'il me reste d'encre, vous voyez, mon réservoir à l'arrière de mon perso quand je suis à pied. Voilà, sinon, bah, je suis comme ça, on voit tout. Il n'y a rien. Bon. Je pense que j'ai rien oublié. Merde! J'ai eu le réflexe de moi souvent quand j'ai un rouleau, j'ai une bombe ballon derrière. Mais les traductions sont bonnes hein, du jeu. Vous voyez, ils utilisent bien des termes à nous, quoi, ils n'utilisent pas des termes standards. Alors, pourquoi c'est toujours les outils que j'aime les moins qui nous donnent. Non, ça c'est un peu random. L'outil, je vais pas utiliser. Voilà, donc je vais mieux faire ça, ça me fait un passage. Attends, mais c'était du monde en fait là. Voilà. Bon, je tourne cet épisode et après je me casse en ligne, je pense. Donc après, je vais voir parce que j'ai d'autres jeux à jouer en fait. Waouh, j'ai fait mourir là. Armure de l'amour. Pas de passage, on est d'accord. Voilà, là, je vais attendre qu'il tire dessus. Bon, encore que. Ouais, ça les tue pas instant. Non, tu ne vas pas t'échapper, toi. Pas non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc là... Ah, attendez. C'est presque une obligation. Ça me choquerait pas, hein. Eh ouais, regardez. Oh là là, il est pas beau, il attend pas son papa, lui. Parfait. C'était obligé, là. On le voit bien que les... Bonne nouvelle, j'ai tout récupéré, on peut se casser en toute tranquillité. Le rouleau, j'aime bien. Bon, moi, je préfère tout ce qui est travailler à toi quand même. Dans le jeu. Une moto qui passe, classique hein. classique quand t'habites en centre-ville. L'orage en plus, bon. L'orage, ça me fait moins peur, la Switch elle me suit pas. Ouais. Là il doit y avoir un truc, c'est pas vrai. Non. Non, j'ai juste fait une descente comme ça pour le plaisir. Ah c'est pas bon temps, bon. Ah putain, bah ouais, y a pas de corps à corps dans ce jeu, c'est dommage. Ah, je me suis fait toucher, faible. Et tu joues à la bombe? Ça va pas tuer. Putain, mais. Et non, moi je trouve pas que je gère.
Voilà, là je viens. Voilà, ça faut y faire gaffe. Ah bah d'accord, ça casse direct. J'ai l'impression d'avoir un garçon, ça me fait bizarre. J'aurais pas dû lui mettre cette coupe. Je peux la changer la coupe. Hein. Mais non, j'aime bien en fait. J'aime bien quand elle est avouée, là quand elle a pas de, forcément de casque, là, on voit bien que c'est une fille. Zetons un coup d'œil. Attends, on a le combat. C'est bon, la transmission des données fonctionne. Fais-toi la main sur ce joujou. Et à moi les données à gogo. D'accord. Alors, il semble s'agir d'un manuel détaillant comment démarrer une affaire en vente ambulante avec ses propres moyens. Bien qu'il ait l'air neuf, les taches de graisse laissent supposer que quelqu'un a cuisiné tout en le parcourant. Voilà, donc des fois, il y a des trucs intéressants, des fois un peu moins. Alors. D'accord, donc si je veux, je peux repasser au pistolet. Oh, on a fait le premier au pistolet, on va rester au rouleau. Donc on avait dit que le niveau 2 était en face. Hein. Problème niveau 2, je l'ai déjà ouvert. Moi ce que j'adore c'est la musique du menu quand t'es dans le nouveau mode là, dans le Salmon Run, c'est génial. T'arrives, tu fais le mur là. Ah merde, c'est vrai qu'on peut pas grimper par là. Allez, c'est parti. Niveau 5 du coup, oui, c'est ça, requête de cartouche, d'accord. Ah, il va peut-être me filer encore une arme là. On ne perd pas le fil. Bon, bah, si me file une arme, hein. Qu'est-ce que je dis? Octapark. On va pas améliorer, on va se faire ça niveau 1, on va se faire ça vanilla, parce qu'on est des fous. Non, j'améliorerai, je pense, évidemment. Il me file quoi comme arme cette fois? Un snipe. Non, double encreur. Double encreur héroïque, il est joli en plus. En fait, j'aime les armes héroïques parce qu'elles sont plus jolies, c'est tout. Ouais. Voilà, bon là il m'explique le tout en fait. Quand vous tirez comme ça, vous pouvez faire une petite roulade comme ça pour esquiver, vous voyez. Mais par contre, vous êtes un peu collé. Enfin, c'est une nouvelle arme du jeu. Hein. C'était pas dans le 1. C'est pour ça que je l'ai pas encore bien en main celle-là. Mais bon, ça joue bien. C'est parti. Ah ouais, attends, moi je te fais ça vanille. Ça c'est trop classe. Ça... Ah merde, du coup ça marche que dans un sens. Alors, c'est bien d'aller vite, mais faut pas trop que j'aille vite non plus. Ah, c'est la même musique que dans le 1. Bon, j'ai le réflexe de passer dedans comme ça. Hein. Ouais, par exemple, lui me tire dessus. Moi, je suis là, hop, esquive, tu vois. Voilà, ça c'est. Bon, là, bien sûr, c'est des petits tirs de tout doux, mais c'est très pratique en ligne. Alors, moi, bien sûr, je regarde hein, en visite parce que en allant trop vite, je vais me faire avoir. Fou la gerbe, hein. C'est normal, c'est fait exprès. Ah d'accord. Ah parce que tu peux sauter, tu peux tomber hein, en vrai comme ça. Ah ouais, d'accord. Bon, du coup, ça marche assez avec ceux qui sont en mode online, donc pourquoi pas. Mais ouais, ça fait tuto, quoi. Il y a des trucs que je vais apprendre. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je regarde avant. Vous voyez, ça, c'est des gens de niveau qui vont vite. Et le problème, c'est quoi, justement. Attends, mais ouais, faut prendre celui-là d'abord.
Regarde, on vérifie. On visite. Oh là là, mais il donne envie de prendre les deux. Ah non! C'est tellement débile! Un ticket. Ah, c'est ça les tickets. Si vous y avez un truc pour les tickets, pour le mec qui te vend de la bouffe là, et ça te donne des... ça te donne des bonus pour les prochains combats quoi. C'est plutôt cool. Voilà. Ils te mettent des trucs pour que tu sautes, voilà tu vois. Ah, regardez. Ah, il a qui joue à Zelda quand même. Tout le monde n'est pas sur Splatoon. Mais bon, quand même, globalement, Splatoon est déjà un succès quand je vois tous ceux qui l'ont acheté dans mes amis. Passe ou pas? C'est la vie parce qu'on dirait pas. Ça passe. Je sais même pas où je vais là. Pourquoi c'est un labyrinthe de fou? Oh là là, il y a trop de passages. C'est pas grave, regardez, moi je me balade. C'est bon, ça passe. Merde, c'est pas grave. On s'en fout. Lui. Ça reste des objets de farm, ça, donc on s'en fout. Parfait. Ça m'en fait qu'un. C'est bon, je l'ai eu. Là c'est mort, après là-bas. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je sais pas. J'ai peur d'en avoir oublié un. Peut-être pas. Allez, du bordel. Je cache dans l'angle. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait de roulade, hein. Vous voyez que j'ai pas le réflexe de l'esquive. L'esquive, c'est pour les faibles. Voilà, il y a le gyro qui m'emmerde. Ça arrive des fois. Non! Une grosse connerie de ma part, mais à mon avis je peux redescendre. Je peux redescendre à mon avis. Le jeu ne me l'interdit pas. Par contre, ouais, à mon avis je l'ai loupé hein le. Ah bah sinon je vous le mettrai après en vidéo comme je vous le fais tout à l'heure. Hein. Le problème c'est que c'est dommage. C'est bien de le faire first strike quoi. Ah là peut-être.
Ah, il est là. Parfait. Ouais, c'était pas loin. First try, mon gars. Mais faut quand même chercher, hein, des fois. Hein. Enfin, là, fallait pas chercher, c'est juste que... T'as les ennemis, t'as un peu le machin, t'as un peu la pression. La pression du tournage. C'est parfait. Zéton, un coup d'œil à ton journal, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il y en avait plein qui les avaient. À mon avis, les mecs, ils les ont. Il y en avait qui avaient déjà des niveaux de fou quand j'ai joué hier. Apporte-le à Omar sur la square, tu ne le regretteras pas. Ouais, on verra plus tard. Et ce serait pas un des tickets qu'on peut utiliser chez Omar. Son camion restaurant se trouve sur le square de Chronopolis. Laisse-moi te dire que sa cuisine, c'est le pied. D'ailleurs, je mangerais bien un morceau au moins. Ouais, le truc, c'est que j'espère que c'est pas toujours dans le même niveau, toujours au même endroit, sinon c'est pas intéressant. Alors, un article expliquant comment devenir riche rapidement, rédigé par un jeune homme à la coupe folle. Je me suis fait 10 millions en un an simplement en posant mon popotin dans la rue. Faites-en autant qu'il croyait pareil sans net. Putain, ça c'est qui pique. Le machin, ça coûte tellement la peau du cul. En fait, c'est le gars qui, dans Splatoon 1, il y a à peu près le même dans le 2. Hein, qui, en fait, te demande de la thune pour faire en échange d'améliorer ton équipement ou t'effacer des compartiments pour que tu gagnes des nouvelles améliorations. Saloperie. Par contre, j'aime beaucoup les petits coquillages. Vous voyez, là, on les voit, les coquillages qui ont les mêmes yeux que les Toads. Ils sont super beaux. Putain, ça, ils en feraient des goodies, mais... Ça ferait tellement de la thune. D'accord. Donc, on a pas fini l'épisode, hein, je peux le garantir. Hein, 22 minutes, déjà, et j'ai fait que 2 niveaux. Là, il y en a un, là. Est-ce que je peux, là? Pas sûr, hein. Ah bah non, de toute façon je peux pas. Si, si je peux, putain. On peut baiser la game. C'est le 7 le problème, c'est ça le problème. On peut baiser la game mais ça sert pas à grand chose. Je l'ai fait dans l'ordre, et oui, je sais. Tout comme ça, je fais tout dans l'ordre. C'est pas intéressant sinon. Le problème c'est que c'est pas intéressant dans ce qu'on débloque aussi. Le truc de l'esquive, par contre, c'est chaud parce que d'habitude t'es habitué à sauter en calamar et là tu peux pas en fait. Ah là, là. Là c'est 8, super, je débloque 8, je débloque tout sauf le. Ah, mais attendez, regardez là. Allez, dis-moi ça, toi. Ça doit être lui. Le 9. Putain, je suis déçu quoi. Il est où ce putain de niveau 6? Ah bah voilà. Moi j'aurais ouvert tous les niveaux. Au moins. Au moins, au moins. Alors ici j'ai pas vu le nom du niveau. Ça va être du snipe là. Ouais. On va sniper tout ça. Enfin, c'est pas vraiment un snipe là, c'est plutôt un fusil, mais sinon il existe l'arme ultime. Et ouais, regarde. Ouais, c'est un fusil. Hein. D'accord, c'est vraiment... Donc. Ah
Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le toucher là. Hein? D'accord. Ah d'accord, c'est ça qu'il fallait viser depuis tout à l'heure et moi depuis tout à l'heure je visais un truc. D'accord. Ça aurait pu être cool de mettre ça aussi. Mais bon, c'est vrai que ça marche que pour les snipes, donc dans les parties online c'est pas... Je vais récupérer ça. Alors bien sûr, faut que je fasse gaffe. Dans les mobiles. Le snipe c'est pas facile. Hein. Alors, ça s'appelle un concentraceur. Moi j'ai toujours appelé ça un concentrateur. Donc ça, pourquoi ? Je n'y arrive pas avec le nom de cette arme, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a l'air d'avoir rien. C'est bien, vous voyez, ça, ça fait... Là, c'est vraiment encore... C'est encore mieux que le 1 au niveau, à ce niveau-là. Qu'est-ce que regarde. Ouais, déjà, je vise mal. Ça passe. Encore que j'ai bien réglé mon... j'ai fait des matchs hier avec, avec cette arme. Et ça passait très bien. C'est les lives hein, qui vont bien. Faut aller où là. Oups. Celle-là elle est gratuite. Hein. Celle-là elle est gratuite. Hein. Oh là là. Ah, ça arrive. Ah mais oui, je suis bête, regardez là-haut. J'y pense pas. Alors ça, je te vois, c'est un nouveau gameplay, donc j'y pense pas. Faut que je fasse gaffe de pas aller trop vite. On va pas touche. Quoi faire, regarde bien autour de toi, là-haut il y a le poisson, mais j'ai rien récupéré encore, donc c'est ça qui m'inquiète moi. De toute façon, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Oh, bon, ça va peut-être aussi. Hop. Allez, avance-toi ça. D'une zone de chargement, hop, voilà, voilà. C'est très bien hein, pour apprendre à... Je suis là, oh putain, ah c'est pourri, as fuck, ça c'est juste hallucinant quoi. Bon, je le récupérerai après lui, hein. J'aurais pas besoin de vous le laisser, vous avez voulu. Il faut au moins que je récupère le parchemin. Bon, c'est le parchemin qui m'intéresse, ça j'ai envie de dire, c'est pour améliorer. C'est moins grave. Je récupérerai en fait. Vous l'avez vu, on va dire que j'ai récupéré. Je sais pas ce que c'est truc, ça tire des machins. Le truc qui tire des machins, oui, bien sûr. Tout à fait. Oh, t'es bien toi, un truc, hein. Balles, pourquoi pas. Lequel j'ai pas encore tué. Ça rapporte de l'XP. Hein. Ça m'a touché. Faut jamais être à pied de toute façon.
pas qu'il soit par là. Hein. Ah. Ok. Allez, en bas. C'était léger, mon truc, hein. Salut, toi. Voilà. Ça me remet là. Lui. Il me remet là. Ah, d'accord. J'ai pas vu. Je freine pas, pourquoi? Je me dérouille, moi. On va pas le faire là si je l'ai pas. Nous ne sommes pas pressés. Hein. Bah, je pense que là. Hein. Ah oui, d'accord. Là déjà, c'est pas le même boulot. Quoi. C'est super bien. Hein. Franchement. Le mode solo, moi je le trouve génial. Le mode solo, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont jamais fait. Enfin, je pense que dans le 1-6, tous ceux qui veulent vraiment les armes l'ont fait quoi. Mais le pas le faire, c'est une connerie. C'est un très bon mode solo. Je sais pas où il faut aller là, donc on va se mettre là. Gaspillage d'encre, c'est pas grave. Ah mais j'avais pas vu. Mais bon. Le mauvais quoi. T'as 8-19 pour faire un niveau. Oh mon dieu. La longueur des épisodes. Mais bon, j'ai pas envie d'en faire 50 000 des épisodes de Splatoon 2. Donc autant faire une zone par zone. C'est plutôt cool. Donc là, il me dit que j'ai réussi au snipe, pourquoi pas. Ouais. Cathy a bien pu advenir de ces deux hommes bourreux. C'est quoi ça? Ah oui. Qu'importe la façon d'aimer, il arrive que le but diverge. L'amour peut revêtir de nombreuses formes, quelle que soit l'époque. C'est quoi, c'est un Beethoven? Ça en dirait un gros... Ouais, c'est pas, c'est quoi, c'est un crustacé, ça. donc le 6, donc il faut que je trouve le niveau 7. C'était le 9 en face, non? Là, c'est le 9. Ah, le 7, il est là-bas. Je meurs pas, c'est cool. Attends, le 7 est là-haut. Comment on fait déjà pour y aller? Tout à l'heure, j'ai baisé un peu la game, mais. C'est le 7, hein. Parfait. Allez, cartouche, file-moi une nouvelle arme. Qu'est-ce qu'il va me donner là? Je voudrais réfléchir à ce qu'il va pas donner un saut peut-être. Mais non, j'ai envie de jouer avec autre chose moi. Bon, il me redonne celle-là. Ah ouais, d'accord. Lui il était vraiment tout plein par contre, ça c'est ce qui est bien. Ah, lui à mon avis il est pas comme les petits te font pas mal. Ah bon lui il est en train de me dire où il faut que j'aille. Voilà.
faire. La fond du passage. Faudrait que j'améliore l'arme un peu, celle-là peut-être, parce que autant les autres ça va, autant celle-là. Ouais. On va trouver un moyen de passer. C'est un peu chiant par contre de toujours regarder comme ça pour voir si tu trouves pas les. Ah, mais je sais qu'on va faire. Hop là, ça passe. Bon, bah, c'est parti. Gyroscope ? Non, gyroscope le point. Hop, voilà, on réinitialise la caméra parce que sinon, c'est mort. J'ai un bouclier, moi j'en ai un deuxième. On va me faire attaquer par tous les côtés. Et ça, on n'oublie pas ça. Là j'en ai quand même 1000 et quelques, donc il va falloir que je commence à m'améliorer. Il y a une fontaine là, à te faire foutre. Les fontaines ont été améliorées, je crois. Franchement, elles coloraient vachement plus. Hein. Ouais. Le pauvre, il sait pas où camper. Alors, bien, on va l'avoir, lui là. Voilà. Ouais, je détruise au moins ça parce que le problème c'est que ça le met dans tous ses états. À nouveau le corps à corps. Hein. Rien. Je cherche, hein, c'est normal. Qu'est-ce que c'est, la bouffe, hein. La manche. Bon. Ah, faut que je prenne plus de fichiers. J'aurais pas tiré depuis tout à l'heure. Ah, frère, attends. Je me suis fait avoir ou pas? Là-bas, à mon avis. On va rien planquer là? Ou alors ça apparaît pas là? Pour les indices.
Comment je fais pour l'atteindre lui? Lui d'ailleurs un moyen de l'atteindre. Attends mais c'est là-bas le moyen de l'atteindre là. D'accord. J'ai trouvé la clé, à mon avis, la clé, elle est par là. Le prix, ça passe. D'accord, donc en fait, il n'y a même pas besoin de. Moi, je pensais me servir de lui direct. Mais bon, regarde, ça passe. C'est sûr, plus j'ai une arbre rapide, plus je colorie vite et plus ça me permet d'avancer vite aussi, mais là bon. On est en mode détente. Le nain de Splatoon pour moi c'est vraiment le mode détente. Ouais. Bon par contre, ouais, j'ai pas trouvé le parchemin, ça m'énerve. J'espère qu'il est pas loin. Aïe aïe aïe. Donc là, je suis à la dernière zone. Parfait. Là-bas, j'en ai un autre qui va me défoncer la lampe. Donc, tiens, va t'amuser, va détruire les gens. Parfait. Alors attends, on va passer par là. Moi je passe par là, moi c'est safe. Où est le parchemin? Où est le parchemin? A mon avis, je l'ai dans l'os. Celui-là, je l'ai complètement zappé. Ah. Allez, dirige sur le bord. Parfait! Ouais, mais le problème, c'est que moi, quand on charge, je m'en fous. Je fais le jeu au parchemin. J'ai trop les boules. Je sais pas où il est. Ouais, bah c'est pas bien grave, hein. On verra plus tard. Alors, pas d'histoire. Ouais, mais carrément...
Ah bien sûr, si je prends les Joy-Con, je pourrais tirer comme je veux. Et du coup, vu que je joue à la manette pro, ça vise tout droit. Du coup, le 8. Le 8, il est là. Ah, c'est plutôt cool que ça laisse les passages, ça permet de se dépasser un peu plus vite. Oula, de l'esquive sur le mur, c'est possible. Allez, camping festif. Les 100 gènes s'invitent. Je vais me faire jouer quelle arme? Cartouche, là. Je préférerais qu'il me fasse jouer une autre arme. Moi je les distrais avec les bombes, c'est plus facile. Bon après c'est pas compliqué comme je t'entends. C'est le boss final était assez compliqué. Je me rappelle que les boss en temps normal me faisaient vraiment pas chier, mais le boss final de Splatoon 1, fallait quand même se le faire. Ça. Tiens, on calme les fontaines. Non, allez, c'est bon. Là, il y a rien. Là, y a rien. Ah oui, si je tire assez vite, ça va bien. Bien de le savoir. Ça. D'accord, donc oui, je l'ai trouvé. De toute façon, c'est pas le plus dur à trouver, ça, je pense, à chaque fois. Le plus dur, c'est le parchemin. Le jeu, franchement, sans les parchemins et tout, tu le traces. Hein. Mais tel fait que tu dois chercher l'espace qu'un peu. Ça bouge en cul. Comme il me l'a enroulé à une vitesse, quoi. Souvent, c'est dans les endroits de pute hein, qu'ils les mettent les parchemins, justement, pour qu'on fasse la connerie de. Ah putain, le dernier moment. Ouais. Ah putain, il a fait un snipe. Ah dommage, c'est possible. C'est faisable. Quoi?
mort? Ouais, c'est mort. Gaffe à ça, du coup ça me paraît plus logique d'un coup. J'allais dire putain, mais c'est pas possible. J'ai pas fait gaffe qu'il y en avait un qui était plus grand. Les nouvelles, je peux tracer. Allez, on va essayer d'y aller, comme des fous. Y'a quoi là-haut? Ouais. Super, hein, plus arme. D'accord, on va passer par là. Ah là là! Quelle mort stupide! Je crois bien avoir aperçu ma mort, moi. Ah bah, on va prendre un raccourci, hein. Mourir dans le mode solo, quoi. Alors que voilà, alors que c'est tout seul. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! C'est parti, vite, 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 vite. Ne réfléchis pas, fonce. C'est ce que je fais tout le temps. C'est propre. Bon, cartouche, fais-moi jouer une autre arme, putain, parce que... Dans le cadre du tournoi des cartes nationales qui a eu lieu une fois par an à Chromapolis, un nouveau participant du nom de GG Latineux s'est emparé de la première place en ne laissant pas la moindre chance à ses adversaires. C'est celui qui vendait les vêtements, je crois, lui, avant. Alors... 9, il est là-bas. 9, et après on aura le boss, c'est plutôt cool. Minutes, ça se passe bien. Ah, ça va être un bon match. D'accord. Alors ça, faut savoir que c'est une carte du jeu multi, hein. Voilà, alors là, vous voyez que ça commence à devenir plus dur. C'est pour ça que je me battre contre des Octalings. Les Octalings se battent aussi bien que nous, en fait, au final. Ça, c'est la map. Je connais pas encore bien les maps, donc du coup, moi, à chaque fois, c'est de la découverte. C'était bien, d'ailleurs, parce qu'ils avaient mis des maps qui n'étaient pas sorties tout de suite. Il n'avait pas sorti les maps tout de suite. Ah, c'est vrai qu'ils disent que c'est en DLC et que c'est gratuit, mais en fait ils les sortent juste pas tout de suite, c'est pour que le jeu la durée plus dure plus longtemps. C'est... Mais bon. Au final, on va peut-être les armes à la limite. Allez là. On va dire parce qu'ils sont forts. C'est marrant, les Octings ils défient par contre. Bon, allez, on va se balader. On est libéré deux. Il va falloir que je trouve les caisses du. Là. Bon, on va péter comme ça. Encore 5. C'est bien d'avoir fait ça là, ça fait. Au moins, t'as des checkpoints intéressants.
elle arrivait tellement de nulle part, quoi. Il va y en avoir une, là, je pense. Non? Ouais. Un mur d'angle, pourquoi pas. Donc là, je suis déjà passé. Oh là là, téléportation. Oui, c'est là. D'accord, mais en fait non, j'ai déjà pris. Dommage, là, ils auraient pu faire un truc un peu plus. Ça, je vais le péter. Il y a une autre vie derrière, donc je vais me bouger dessus. Merde. J'ai récupéré mon armure. Attends, on a une armure de base maintenant, on n'en avait pas avant. Super. C'est plutôt cool. Adieu. Ah, super. Est-ce que c'est intéressant là? J'aimerais bien qu'il y ait une grosse armée en fait, moi, la limite. Et où? Voilà, en gros. Cet outil, il est bien. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, il y en a un là. En fait, les maps sont, vous avez vu, elles sont symétriques. Donc, regardez, on a l'impression que je suis au même endroit tout à l'heure. Ça, on l'a oublié le dernier. Je l'ai oublié quelque part sur la map. Ah, bah, c'est lui. Ah mince, j'étais bête. J'étais bête de le prendre parce qu'en fait au final, bah ouais, j'ai pas eu le temps de chercher l'autre truc. C'est con parce que du coup tu peux visiter la map en entière, tranquille. C'est pas grave, je la récupérerai. Ah, c'est tout que j'ai récupéré le plus intéressant au final. Procurez-vous les pièces d'équipement les plus stylées du marché avec les assortiments de bonus jamais vus. Les commandes sont livrées par le petit jeune aux cheveux hérissés. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Anne. Ouais, ah oui, du coup, ouais, c'est elle qui fait ça maintenant. Le problème, c'est que voilà, il coûte aussi cher que Pipic. Donc, non. Ah, c'est parti, on y va. On va déglinguer le boss. J'ai même pas regardé le nom, tellement je m'en fous. Moi, j'y vais au talent. Ouais. Faut pas qu'on me spoil. Ah, ça va me le dire là. Il veut que je batte au passo. Au rouleau, pardon. La dernière bataille de Tantin Samouraï. D'accord, vas-y, là.
lui aussi se bat avec un rouleau. Trop bien. Allez, c'est bon. Hop, voilà. Ah, ça c'est bien, t'as vraiment l'impression que c'est un combat. Ah, oui, respawn, c'est marrant. Il va tirer en avant. Ah ouais. Comme ça, toi. Je vais faire aussi. Fuite. Ah, il m'a. Voilà. Attends, il faut que je fasse un peu ma zone, sinon. Parfait. Bon, on peut charger, ça va plus vite. Voilà, comme ça. Ouais, je crois savoir ce qu'il va faire. Ah, voilà, il peut attaquer vraiment à distance. Oula! Ah, mange. C'est lui. Ah, tu vas mourir avant, mon gars. Allez, c'est parti. Non, il veut pas. Fais-moi ce pauvre petit. Oh, magique, les dessus. Ah, parfait, donne-moi de l'XP. Voilà, on récupère ça. Oui. On l'arrose. C'est bien, voilà, du coup, de faire des combats. Moi je trouve que ça c'est mieux que par rapport au 1. Le 1 c'était vraiment toujours la même arme. Du coup tu n'as amélioré qu'une arme et du coup bah au bout d'un moment tu t'es complètement pété. Là ça va. Oh qu'est-ce qui se passe? Il y a de la friture sur la ligne ou quoi? Je parie que celui-ci vient de l'Octacanion. Avec tous ses déchets, c'est la foire aux interférences. Il y a plein d'objets électriques qui utilisent les fréquences de la bande. Machin. Même les micro-ondes n'y échappent pas d'ailleurs. On t'entend plus bien, cartouche. Ça doit être parce que tu es dans un tunnel. Allez, à plus. Voilà, donc là on nous dit que. C'est vrai qu'il y a une petite touche féminine dans le truc. Bon, on verra bien. Donc ce que je ferai... vous savez quoi, attends, est-ce que je peux...
ça. On va améliorer l'arme ensemble. Et je vais vous quitter ici. Donc, qu'est-ce que je vais. Moi, je pense que je vais améliorer. De toute façon, ça améliore. Ensemble héroïque ou arme additionnelle. Oh la vache, améliorer ces armes-là, mais c'est horrible, vu le prix. Voilà, 1500 après. Mais normalement, regardez, si je change. Voilà, vous voyez là, c'est plus la même arme, du coup, ce sera au moins plus facile. L'arme est vraiment pas pareille, regardez, du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser ici. Donc, ouais, on commence à voir un peu l'intrigue du jeu. Moi, je me suis pas spoilé, donc, mais bon, je sais à peu près ce qui va se passer, je pense. Parce que voilà, je suis au taquet. Et moi, je pense que je vais faire des matchs en ligne, je vais voir, parce que bon, j'ai plein de jeux à jouer, de toute façon. Vous verrez bien, de toute façon, en live, je vais commencer à en faire bientôt, mais là, pour l'instant, c'est vrai que j'aimerais bien me faire le mode solo tranquille. Puis voilà. Ouais, regardez, vous souvenez tout à l'heure, là, je mettais du temps à taper lui, regardez maintenant. Ça vaut le coup d'être amélioré. Hein. Voilà, pareil, les bombes, peut-être que je peux les améliorer, les bombes, non. Ah non, c'est vraiment les acheter ou autre. D'accord. Bon, bah allez, et du coup, je débloquerai aussi ce qui me manque. Bastion branchite, c'est celui que j'ai dû ouvrir. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, là, il me manque. Il me manque. Attendez, on voit pas. Ah, voilà. Niveau 6, il me manque un truc. Et le niveau 7 aussi. Et le niveau 9. Bon. Mais bon, voilà, j'essaierai de faire ça. Je sais pas si je le ferai en vidéo ou pas. Enfin, si, peut-être pour le truc, j'essaierai de le faire après. On verra. Allez, sur ce, bise et à la prochaine.